Élise tente d'en savoir plus sur Kira et découvre que elle, adolescente, a un rapport conflictuel avec la vie suite à une succession d'épreuves. Pour sa part, Lucille est prête à prendre un nouveau départ dans un si grand soleil. Malgré une opération risquée, Kira va finalement s'en sortir. Élise est présente lors du réveil de la jeune pirate de la route. Elle s'appelle finalement Tokyo, en référence à la braqueuse de la Casa de Papel. Elle prétend ne pas avoir eu le choix de tirer car Virgil possédait lui aussi une arme. Elle revient sur son adolescence chaotique, de l'abandon de son père au suicide et une mère qui a maltraitée. Plus tard, Élise remet le grappin sur son Indic Jolis qui doit s'expliquer sur sa soudaine disparition. Il affirme avoir été menacé par deux hommes. Maintenant que Kira est entre les mains de la police, Hassan souhaite faire taire sa complice car elle risque de tout balancer. Tandis que Julien doit faire face à la fronde de ses employés concernant le versement du 13e mois, son épouse Alice pourrait être contrainte d'assister au départ de Lucille qui souhaite changer de voie. Par ailleurs, elle fait la connaissance d'un sans-abri et de six de L.A.D. Plus tard, Lucille réaffirme auprès de Hakim sa volonté d'en finir avec le zoo. Sa grand-mère, qui a appris la nouvelle plus tôt dans la journée, est également choquée par son choix.